personne a eu un mouvement de sursaut et en discutant avec le gardien a dit mais t'inquiète pas, en fait il est complètement sourd, donc c'est pas le fait qu'il nous a pas entendu, par contre il a senti vos vibrations. Et on va orienter cette histoire sur la perception que l'animal a pu avoir de l'homme. Et on s'est dit que ça serait sympa dans ce musée d'inverser la perspective et de voir comment les animaux observent l'homme et comment le visiteur peut devenir observé par les animaux du musée. Et donc pour cela, on a prévu un dispositif qui fonctionnerait sur le jeu de piste et dont on a la première étape ici. Qui est une première vitrine avec un dispositif vidéo qui affiche le visiteur, mais vu d'un autre point de vue, de dos, de haut, avec une image qui correspondrait à la vision qu'un oiseau peut avoir du visiteur. C'est toi l'oiseau. Ouais. Et qui l'amènerait en fait à se retourner pour découvrir qu'un oiseau l'observe dans une vitrine qui se trouve à un autre endroit et qui l'amènerait à se déplacer pour arriver devant la vitrine et ensuite entendre l'oiseau qui commente ce qu'il voit. Donc on aura un acteur qui parlera à l'oiseau. Qui exprimera ses considérations sur ces êtres étranges qui viennent le déranger et qui sont dans leur cage. Et à partir de ce dispositif, nous amènerons l'utilisateur à aller vers un autre dispositif et ainsi de suite. Est-ce qu'on en dévoile encore un peu plus ? Vous en voulez encore ? Ouais. On n'a pas entendu. Ouais. Allez, c'est c'est pas grave, vas-y, lance-toi. Alors à partir de là, c'est l'aigle qui papote là, c'est ça ? Et qui dit, c'est le léopard qui me l'a dit. C'est ça ? Donc on va au léopard. Et là, le léopard dit qu'on a fait beaucoup trop de bruit et on entendrait en bande son de la salle de l'évolution en fond sonore, en fait. Donc nous, en train de marcher finalement. Mais tel que pourrait l'entendre le léopard. Voilà. Parce que l'idée, c'est de déplacer la position du visiteur en tant qu'objet observé. L'objet est de déplacer le visiteur en tant que chose observée et aussi de faire voir au visiteur comment on peut percevoir l'animal. Mm-hmm. Donc, à travers le son, à travers la vue, et on verra si on arrive à d'autres. Voilà, et à un moment donné, sur un écran, pourrait aussi apparaître à la place des documentaires. Qu'on trouve dans les vitrines, et ben on pourrait voir défiler une fausse page Wikipédia faite par les animaux sur l'homme, par exemple. Non, on va s'arrêter là, on va pas tomber là-dessus.